Au large des côtes africaines se trouve un sanctuaire naturel. Un jardin d'Éden où s'épanouit une nature opulente. De riches courants équatoriaux qui ont traversé l'océan Indien viennent y rencontrer le continent africain. Porteurs de nutriments et de vie, ils contribuent au maintien de récifs coralliens parmi les plus riches de la planète. Ces écosystèmes étonnants abritent d'innombrables bancs de poissons et une myriade d'animaux de toute taille. Ils constituent un réservoir grouillant de vie. Pourtant, même dans cette région isolée, le réchauffement climatique commence à se faire sentir. Les besoins de l'homme en nourriture et en carburant pèsent lourdement aussi sur ce délicat royaume. Ce petit monde pourrait bien disparaître, mais un partenariat unique s'est mis en place dans le but de le sauvegarder. Pêcheurs locaux et défenseurs de l'environnement s'emploient ensemble à préserver et à protéger ce biotope pour les générations à venir. Et leur coopération a un impact très positif. La côte orientale de l'Afrique est réputée pour ses bancs de poissons abondants, ses belles plages, ses magnifiques récifs coralliens et la diversité de sa faune marine. Baleines, dauphins, tortues et requins. Pourtant, en de nombreux endroits, cette richesse a disparu. De la Somalie à l'Afrique du Sud, la surpêche a fait des ravages au cours des 25 dernières années. L'île de Vamizi et les récifs qui l'entourent sont devenus un refuge, un sanctuaire pour des milliers d'espèces, un lieu sauvage demeuré relativement intact. Vamizi appartient à l'archipel des Kirimbas, un chapelet d'une trentaine d'îles coralliennes qui s'étire sur près de 400 km au large des côtes septentrionales du Mozambique jusqu'à la frontière tanzanienne. Vamizi est l'une des îles les plus au nord. Mesurant 12 km de long et 2 km en son point le plus large, c'est également la plus grande île de l'archipel. Avec ses immenses plages, ses lagons bordés de mangroves et ses eaux bleues azur, ce petit bout de terre a des allures de paradis. Son relatif isolement géographique a préservé sa nature sauvage et attire des espèces uniques, comme la baleine à bosse. Ces cétacés parcourent des milliers de kilomètres depuis l'Antarctique pour mettre au monde leurs petits dans ces eaux chaudes et protégées. Ils sont rejoints par les tortues vertes qui sillonnent les côtes africaines à la recherche d'une plage pour déposer leurs œufs. Plus de 400 espèces de poissons vivent dans ces récifs tentaculaires. Le requin d'Axite, ou requin gris de récif, est l'un des nombreux hôtes de ces canyons profonds. C'est une espèce menacée. L'homme est présent au Mozambique et sur ses îles depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les marchands arabes et swahili parcouraient ces eaux en quête d'or, d'huile de palme, d'ivoire et d'esclaves.
L'explorateur Vasco de Gama y a jeté l'ancre en 1498, ouvrant le Mozambique au commerce européen et faisant de ce pays une colonie portugaise. Aujourd'hui, le Mozambique émerge tout juste de plusieurs dizaines d'années de guerre et de corruption qui ont dévasté l'économie et laissé la population exsangue. Mais la situation est en passe de changer. On a découvert au large des côtes mozambicaines l'un des plus grands gisements de gaz naturel de l'histoire récente. Il pourrait rapporter des milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. De paisibles villages se sont transformés en villes champignons. Mais des récifs coralliens florissants, comme celui de Vamizi, se trouvent en plein dans la zone de forage en haute mer. La menace est bien réelle. Là, des baleines. Allons-y. Une équipe internationale de scientifiques et d'écologistes s'est associée aux communautés locales pour protéger l'écosystème de Vamizi tant qu'il est encore temps. Ok, reculez! Point mort! Point mort! On ne doit pas trop manipuler les œufs. Il faut faire ça délicatement. J'ai pas réussi. Ça faisait une bonne minute que j'étais sous l'eau. J'ai commencé à nager, puis j'ai renoncé. Tu les as entendus? T'as entendu leur... J'adore. Tessa Ebson explore depuis des années les récifs de Vamizi, en apnée ou avec un scaphandre autonome. Elle les connaît bien. Cet endroit est particulièrement important pour moi. La situation en Afrique me touche au plus haut point, tout simplement parce que j'y ai grandi. Cette région doit relever des défis colossaux. Il faut nourrir la population et les récifs se détériorent rapidement. La première étape pour Tessa et son équipe est de rassembler des informations sur les grands prédateurs de cette zone géographique. Les travaux de recherche menés autour de Vamizi consistent à déterminer où vont les requins qu'on observe ici, comment ils utilisent les aires marines, et à partir de ces données, essayer d'établir un plan de conservation qui les protège de manière efficace ou leur donne toutes les chances de maintenir leur population. Tessa veut poser des émetteurs sur plusieurs requins afin de suivre leur déplacement sur les récifs. Une fois en place, ces émetteurs enverront des signaux lui indiquant où vont les squales, à quelle profondeur et pendant quel laps de temps. Les scientifiques seront ainsi à même de définir les contours d'un nouveau parc naturel marin, Neptune's Arm. Mais poser un émetteur sur un requin en mouvement est loin d'être simple. Tessa s'est donc adjoint les services d'un plongeur qui va utiliser ses compétences pour faciliter l'opération. Ma mission consiste à marquer les requins d'Axite à l'aide de fusils harpons spéciaux. On travaille en apnée avec une seule inspiration. William Winham est champion d'apnée. Comme les célèbres pêcheurs de perles japonais, il plonge sans équipement après avoir pris une bonne inspiration en surface. Il est capable de descendre à 150 mètres de profondeur et peut rester sous l'eau pendant 8 minutes. Il y a quelques années, il a décidé d'agir pour protéger les océans. Exploiter notre aptitude à l'apnée et notre capacité à traquer les animaux sous l'eau et à s'en approcher discrètement pour poser les émetteurs s'est révélée la méthode la plus efficace dans 90% des cas. Ce sont les coraux qui ont fabriqué l'île.
C'est grâce à eux que la structure qui nous entoure existe. Sans eux, il n'y aurait pas d'habitat pour les poissons, ni pour les crabes, ni pour les gros poissons qui mangent les petits. L'écosystème tout entier repose sur la présence de ces coraux. Les îles Kiribati faisaient autrefois partie intégrante d'une grande barrière de corail qui protégeait le littoral. Au fil de millions d'années, le soulèvement du continent et la baisse du niveau de la mer ont fait émerger des parties du récif, créant les îles que l'on peut observer aujourd'hui. Sous ces eaux cristallines, de fabuleux jardins de coraux se déploient sur des centaines de kilomètres. Spécialiste reconnu des récifs coralliens, David Obura est directeur du programme Cordio, consacré à l'étude des récifs d'Afrique de l'Est. Le littoral du Mozambique et de l'île de Vamizi est particulier, et on commence tout juste à mesurer ce que ça implique pour les récifs coralliens. C'est la région qui présente la plus grande diversité de tout l'ouest de l'océan Indien. Ici, au nord du canal du Mozambique, vous avez d'énormes tourbillons et courants circulaires. Ces courants interagissent avec le littoral et créent ces îles et ces rivages extrêmement complexes. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on observe une telle abondance d'êtres vivants et une telle vitalité. Pour David Obura et d'autres chercheurs, ces récifs pourraient bien être une pouponnière à coraux, ce que le chercheur appelle un récif mère. Un récif mère est un récif source pour les récifs des environs. La semence des coraux, des poissons et des autres espèces du récif est transportée vers d'autres sites adjacents sur le littoral. Il est très probable que Vamizi en soit un. David explore plusieurs sites autour de Vamizi. Il y prélève des échantillons et identifie les différentes espèces de coraux. Ces observations permettront de mieux apprécier l'état de santé des récifs et de mesurer leur capacité à réagir face à des menaces environnementales comme le réchauffement des océans et la pollution, en particulier lors des épisodes El Niño. Certaines espèces de coraux pratiquent une ponte synchrone, un événement qui pour David constitue un indicateur clé. Cet épisode de frais en masse survient généralement quelques jours après la pleine lune pendant le printemps austral. 75% des coraux sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des organes sexuels mâles et femelles. Au cours de cette ponte annuelle, les polypes libèrent donc simultanément ovules et spermatozoïdes dans une explosion de vie. Les œufs fécondés deviennent de petites larves qui s'attachent à des substrats solides et forment de nouveaux coraux. La libération des gamètes attire de nombreux poissons. Ce phénomène est rare et n'a lieu qu'à certains endroits sur la planète. En fait, Vamizi est le seul récif d'Afrique où une ponte en masse a déjà été observée. Si elle se produit aujourd'hui, ce sera la preuve que ces colonies sont robustes et continuent à se développer. Une vitalité essentielle pour cette région et pour la santé des récifs coralliens du monde entier. Tessa et William se dirigent vers la partie la plus spectaculaire du récif, Neptune's Arm, à 40 minutes de bateau de Vamizi. C'est l'un des meilleurs sites de plongée au monde, mais le courant y est souvent fort. Oui, ça brasse. Là, c'est un peu plus calme, mais il y a toujours ces grandes remontées d'eau vers la surface. Il faut qu'on aille voir. Oui. Tessa et William viennent d'entrer dans l'un des écosystèmes les plus riches du globe, un monde féerique. Un paysage tourmenté avec des montagnes, des canyons et des vallées. Des coraux tapissent une abrupte paroi verticale de 1000 mètres de haut. La remontée d'eau froide depuis les profondeurs contribue à maintenir les coraux en bonne santé et à préserver les populations de poissons. Tessa est à la recherche d'animaux situés au sommet de la chaîne alimentaire, les requins. Bien que la zone abrite des requins-marteaux et des requins-tigres, le squale le plus communément observé sur ces récifs est le requin d'Axite.
Ce requin mesure environ 2 mètres de long. Il présente une fine bande blanche à l'extrémité de la nageoire dorsale, ainsi qu'un ourlet noir sur les autres nageoires. Ces squales sont des animaux très sociables, connus pour chasser en bande. Leur proie favorite, les bancs de poissons qui vivent à l'intérieur ou au voisinage des récifs coralliens. J'ai remarqué que le nombre de requins avait diminué par rapport à la première fois que je suis venu ici. Les requins sont menacés dans le monde entier. Selon les estimations des scientifiques, plus de 100 000 individus sont tués chaque jour. Au cours des dernières décennies, la surpêche a entraîné la disparition de plus de 90 % des squales de la planète. Les côtes du Mozambique abritent la dernière population de requins d'Axide au monde. Or, les populations de squales ne se rétablissent pas facilement. Le requin d'Axide ne se reproduit que tous les 2 ans. Et selon Tessa, les riches récifs de Vamizi pourraient bien être la principale pouponnière de cette espèce en Afrique de l'Est. Ça fait plusieurs années qu'on a des bébés requins ici. C'est rare de trouver un site que les requins utilisent de cette manière. Ce genre d'aire de reproduction et de pouponnière est rare. Les bébés sont minuscules, ils sont tout petits et ils sont trop mignons. On dirait des petits têtards. Ils sont super curieux et ils ne sont pas du tout féroces. Un site comme celui-là est vital pour ces populations. Les requins et d'autres poissons se rendent quotidiennement sur les récifs pour bénéficier d'un bon nettoyage. Une armée de petits poissons et de crevettes s'affaire à les débarrasser des parasites, des peaux mortes et des bactéries qui se sont accumulées en 24 heures. En échange, les prédateurs épargnent les nettoyeurs. Pas question de chasser ni de manger le personnel. Même si les populations de requins ont fortement décliné dans la région, un groupe au moins s'est maintenu. Tessa pense qu'ils nagent et chassent en profondeur. C'est une hypothèse qu'elle espère confirmer grâce aux données des émetteurs. Plus près des côtes, David Obura examine les récifs à la recherche de signes de dégradation. Jusqu'à présent, il a identifié plus de 300 variétés de coraux poussant dans la région. Les eaux autour de l'île de Vamizi sont extrêmement riches. Pourquoi? Parce que l'énergie des courants circulaires génère beaucoup d'activité dans l'eau et augmente la productivité du phytoplancton et du plancton. Par ailleurs, ces tourbillons vont jusqu'au fond de la mer. Ils descendent le long du talus continental et soulèvent les nutriments et les sédiments des fonds marins pour les remonter à la surface, ce qui crée une grande richesse dans les eaux peu profondes. Les coraux peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Cette plateforme continentale est l'une des plus stables du monde. Elle n'a pas évolué depuis 150 millions d'années. Entre-temps, le monde a connu des changements majeurs. La disparition des dinosaures, par exemple. À l'heure actuelle, de nombreuses espèces de coraux formées dans la région indonésienne sont charriées par les courants océaniques. Et je pense qu'elles se mélangent à cette faune corallienne apparue 30 millions d'années plus tôt. Et il semble que toutes ces espèces puissent survivre dans la partie nord du canal du Mozambique. Mais la plupart des récifs coralliens n'ont pas cette chance. De nombreuses colonies de coraux sont en train de mourir à travers le monde. Tous les coraux des mers chaudes abritent des algues microscopiques appelées zooxanthelles. En échange d'un abri et d'une exposition lumineuse suffisante, les algues fournissent à leur hôte de l'oxygène, ainsi que les restes de nutriments produits n'ayant pas été consommés dont le corail se nourrit. Soumis au stress, les coraux expulsent les algues, ce qui se traduit par une décoloration de l'animal et du récif tout entier. Les récifs peuvent se rétablir, mais beaucoup de coraux périssent. La proportion des récifs menacés augmente, tandis que celle des récifs en bonne santé diminue. C'est parce qu'ils sont soumis à de nombreux facteurs de stress. Pêche, pollution, réchauffement climatique. Ils n'ont pas le temps de récupérer d'un stress que déjà ils sont soumis au suivant.
Les récifs coralliens sont de plus en plus menacés dans le monde. Ce spectacle est hélas de plus en plus fréquent. Autrefois riche et coloré, ce trésor biologique, vital pour la survie de l'homme, est devenu un désert sous-marin. Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus anciens de la Terre et sont essentiels à la stabilité de notre planète. On les appelle parfois les forêts tropicales des mers, car ils abritent des milliers d'espèces, protègent les côtes de l'érosion et ralentissent le réchauffement climatique en absorbant le dioxyde de carbone. Herbiers et mangroves contribuent également à stocker le carbone de l'atmosphère. Tout est lié. Bien qu'un récif corallien semble être constitué de roches et de plantes, il s'agit en réalité d'une structure complexe, formée de millions d'animaux minuscules appelés polypes. Les coraux durs forment une ossature de carbonate de calcium. Lorsqu'ils meurent, leur squelette reste en place et de nouveaux polypes viennent s'y fixer et se développent. Ainsi se crée petit à petit une véritable cité sous-marine. Si les récifs coralliens représentent moins d'1% des habitats marins, ils accueillent 25% de la faune des océans. Comme la raie à points bleus ou le napoléon, des espèces classées en danger critique sur la liste rouge de l'UICN. L'anguille de jardin ou le poisson clown d'Alard qui se dissimule dans les anémones. Posté sur le fond sableux, un mérou-loutre observe le balai des proies et des prédateurs. Non loin, un jeune rason-paon imite le mouvement d'un débris ballotté par le léger courant. Certains habitants grignotent leur propre maison. Le poisson perroquet à bosse, une espèce rare, heurte délibérément le récif avec sa tête pour y prélever des polypes coralliens et des algues. Le corail absorbé en petits morceaux est finement broyé par ses dents avant l'ingestion des nutriments extraits. Le reste est rejeté par l'anus en un nuage de sable fin. Ce poisson peut consommer à lui seul plus de 5 tonnes de coraux par an et produire ainsi une centaine de kilos de sable. D'après les scientifiques, ces poissons fabriquent près de 70% du sable des plages tropicales. Autre curiosité de ces récifs, un géant qui répond au curieux nom de mérou patate. Avec ses 11 épines dorsales et ses plus de 100 kilos, ce poisson inoffensif, mais peu farouche, peut surprendre même les plongeurs les plus expérimentés. Taches de couleurs éclatantes dans les eaux bleues sombres, des diagrammes orientaux se mêlent aux vivanos pagais et aux bancs de cochers grégaires. Non loin, on peut observer une rascasse, dont les épines venimeuses peuvent percer la peau et injecter des neurotoxines. Des bataillons de fusiliers néons et des centaines d'autres espèces. Enfouies au plus profond du récif se trouvent des hôtes étranges. La murène tachetée et la murène javanaise aux dents acérées. Des nudibranches colorées. Ou encore de gracieuses créatures qui présentent d'extraordinaires adaptations.
Les coraux eux-mêmes offrent une variété remarquable de formes et de couleurs. Du majestueux corail corne de cerf aux acropores, qui constituent l'ossature du récif, en passant par le corail cristal, les gorgones ou le corail feuille. Mais il présente également une étonnante diversité chimique. Ainsi, les récifs revêtent-ils une importance majeure dans le domaine de la médecine. Ces espèces constituent un outil précieux pour la fabrication des médicaments du futur. Conscient de cet atout inestimable, le conseil local des pêches s'emploie à surveiller la réserve marine. Les pêcheurs illégaux sont interpellés et leur matériel est confisqué. Il y a peu, les tortues et leurs œufs constituaient des aliments de base pour les habitants de ces îles. À Vamizi, mon travail porte essentiellement sur les tortues marines. On a des tortues vertes qui nichent sur l'île et qu'on surveille quotidiennement depuis plus de 10 ans. Et des tortues carrées qui se nourrissent sur le récif autour de l'île et qu'on va commencer à surveiller. Les trois villages de Vamizi, tous situés à la pointe est de l'île, comptent au total près de 1500 habitants. Ces derniers sont surnommés « peuple de la côte » ou « peuple Mawani ». Ils ont de petits jardins, mais les cultures sont limitées, car il n'y a pas d'eau douce sur l'île. Chaque goutte d'eau est acheminée quotidiennement par bateau depuis le continent. En 2006, des pêcheurs originaires de Tanzanie et d'autres provinces du Mozambique se sont mis à exploiter les eaux poissonneuses des récifs de Vamizi. Inquiet pour les stocks de poissons, le conseil local des pêches a établi un périmètre interdit à la pêche qui s'étend sur 3 km tout autour de l'île. Les habitants s'impliquent fortement dans la protection des tortues. Elle vient d'éclore, vous voyez? Oui, c'est un bébé. Les tortues marines ont un cycle de vie étonnant. Les petites tortues nées sur la plage gagnent la mer et nagent pendant des jours pour atteindre les eaux profondes. Elles se cachent dans les herbiers et y passent quelques années jusqu'à ce qu'elles se soient développées. Puis elles se rendent dans les aires d'alimentation où elles restent quelques dizaines d'années. Il leur faut 20 à 30 ans pour atteindre la maturité sexuelle. Après quoi, elles retournent sur les plages où elles sont nées pour s'accoupler et pondre. Et le cycle recommence. Les communautés locales interviennent au stade de la ponte. Elles aident à localiser, surveiller et protéger les nids, afin que les nouveau-nés aient une chance de gagner la mer. On a commencé à travailler avec les habitants et quand ils ont vu comment les populations se développaient, ils sont devenus les plus fervents protecteurs des tortues marines. Aujourd'hui encore, ils vous diront à quel point il est important de les préserver dans la région. Ce sont eux qui les aiment le plus. Chaque année, les baleines à bosse entreprennent l'une des plus longues migrations du monde. Elles parcourent des milliers de kilomètres depuis les eaux glaciales de l'Antarctique pour gagner les baies et les lagons protégés du canal du Mozambique où elles se reproduisent et mettent bas. Mesurant en moyenne 15 mètres de longueur et pesant de 25 à 40 tonnes, ces géantes des profondeurs ont frôlé l'extinction. Dans les années 1960, des mesures internationales d'interdiction de chasse à la baleine ont été adoptées. Et depuis, leur population se redresse lentement. On peut fréquemment observer certains individus qui se laissent dériver à la surface pour se reposer. Melinda Regdal est biologiste marin et spécialiste des baleines. Elle s'est rendue à Vamizi afin d'étudier l'état de santé et les migrations des baleines à bosse dans ces lagons tropicaux. La chercheuse craint que les baleines ne soient parmi les premières espèces à ressentir l'impact des forages en haute mer. Les forts bruits produits sous l'eau perturbent leur monde paisible. Les activités pétrolières et gazières génèrent beaucoup de bruit. Or, on a mis en évidence un lien plus ou moins direct entre les échouages des baleines et des sources possibles de bruit.
Le bruit peut produire deux types d'effets. Il peut avoir un effet physiologique et entraîner une perte d'audition. Mais il peut aussi avoir un effet social, affecter la façon dont elles communiquent, dont elles mènent leur vie quotidienne et certaines activités essentielles à leur survie. Les voilà. Je crois que c'est une mère et son petit. 500 mètres. Allons-y doucement. Ils sont très calmes. Le petit se trouve au niveau de son rostre. Doucement. La pleine lune semble annoncer l'imminence de la ponte synchronisée des coraux. Ce rituel secret se produit uniquement la nuit. Mais personne ne sait quel est l'élément déclencheur. Dix minutes après le coucher du soleil, les poissons diurnes s'éclipsent rapidement, tandis que les carnivores nocturnes sortent pour se nourrir et s'accoupler. C'est le moment où les rascasses volantes et autres poissons scorpions, les murènes et les requins prennent possession de la mer. Certains poissons changent de couleur, optant pour des teintes sombres pour mieux se camoufler. D'autres modifient radicalement leur apparence, comme ce poisson-ballon à taches noires qui, lorsqu'il est menacé, devient une boule de piquant peu engageante. La plupart se dissimulent dans les crevasses du récif pour se reposer et éviter de se faire manger. Car les chasseurs nocturnes sont à l'affût. Certains sont dotés de grands yeux pour absorber un maximum de lumière tandis qu'ils épient leur proie. Expertes dans l'art de l'embuscade, cette rascasse se fond parfaitement dans le décor. Les requins utilisent leur odorat puissant et des électrorécepteurs ultra-sensibles placés sous la peau pour détecter leur cible. Certains font équipe afin d'attraper leur proie. Pour les coraux, la recherche de nourriture est plus simple. Il leur suffit d'étendre leurs tentacules pour collecter le plancton qui se laisse tomber vers le fond. Mais tandis que les eaux s'obscurcissent, de petites lumières s'allument peu à peu. Certains animaux se mettent à luire. Cet effet, appelé bioluminescence, est un processus chimique semblable à celui qu'on observe dans les bâtons lumineux. Cette stratégie peut avoir diverses raisons. Effrayer ou mettre en garde les prédateurs, trouver un partenaire, voire se nourrir. Ce phénomène offre un véritable feu d'artifice marin. Dès les premiers rayons de soleil, les créatures de la nuit regagnent leurs abris tandis qu'un nouveau jour commence. Tessa et William ont hâte de commencer le marquage des requins de Neptune's Arm. Les enjeux sont de taille. La présence de William Winram à nos côtés est une chance unique. Sa formidable aptitude va nous permettre d'implanter un émetteur au niveau de la nageoire dorsale de l'animal à l'aide d'un fusil harpon. Tout ça sans qu'on ait à le capturer ni à le ramener à la surface. On peut éviter tout ce stress, éviter le processus de marquage habituel qui consiste à épuiser le requin pour le ramener à la surface et le marquer.
Là, il se contente de plonger, de s'approcher suffisamment près de l'animal et de le marquer. Tu peux m'aider à enlever ça? J'ai les mains mouillées. Ok. Une fois fixé sur la nageoire dorsale du requin, l'émetteur enverra des signaux qui seront captés par des récepteurs placés tout le long des récifs. Les scientifiques pourront suivre les déplacements de l'animal et mieux comprendre son comportement. C'est bon, on a tout? Ouais. Ok, prêt? 3, 2, 1, go. Le courant est fort et les requins de l'océan Indien occidental sont de moins en moins nombreux. Aussi est-il plus difficile que jamais de les repérer et de s'en approcher. Tessa et William ont choisi de prendre leur équipement de plongée afin de maximiser leurs chances de localiser et de marquer un spécimen. Ils descendent dans le canyon de Neptune's Arm. Les squales restent souvent en profondeur au cours de la journée. Mais le requin d'Axit doit créer un courant d'eau afin d'apporter suffisamment d'oxygène à ses branchies. Il doit donc nager en permanence. William et Tessa espèrent que quelques requins affamés ou curieux remonteront un peu vers la surface. Une partie de cache-cache s'engage entre les plongeurs et les requins. Et soudain, le tour est joué. Le premier marquage est réussi. Des pêcheurs ont signalé des coraux qui libéraient les premières gamètes. La ponte a commencé. Cet événement est rarement observé et n'a quasiment jamais été filmé en Afrique. Personne ne sait comment les coraux coordonnent leur action, mais les scientifiques pensent qu'ils pourraient émettre une substance chimique qui serait en quelque sorte une alerte. Quel que soit leur secret, le système fonctionne. La libération massive d'ovules et de spermatozoïdes évoque une tempête de neige sous-marine. Les courants océaniques disperseront ce mélange sur une vaste zone, favorisant le brassage génétique. Et l'abondance des œufs garantit qu'une bonne partie des petites larves échapperont aux prédateurs nocturnes. Vamizi compte parmi les rares récifs coralliens du monde où le frais de masse peut être observé. Ce phénomène prouve que ces récifs sont en bonne santé et peuvent continuer à servir de récifs-mères tant à l'échelle locale que mondiale. Les coraux ne sont pas les seuls à s'activer la nuit. Les petites tortues émergent de leurs coquilles et se lancent dans une course effrénée en direction de la mer. Ces bébés font partie de la nouvelle génération de tortues vertes, soit près de 6000 individus nés à Vamizi cette année. Un long voyage les attend. En moyenne, seule une tortue sur 1000 parvient à l'âge adulte. Épaulée par les villageois, l'équipe scientifique les aide à surmonter les obstacles, afin qu'elles puissent revenir pondre en toute sécurité d'ici 30 à 40 ans. La mission a été un succès, mais ce n'est que la première étape d'un engagement à long terme. Vamizi, c'est l'île de tous les espoirs. Quand on plonge ici, on voit tous ces coraux en bonne santé, sachant que certains ont subi les effets du réchauffement climatique et d'autres non. Ils se régénèrent comme j'ai rarement vu ailleurs.
Ces récifs sont un formidable espoir pour le reste de l'océan Indien occidental. La clé de la réussite repose sur un partenariat. L'industrie gazière n'en est qu'à ses débuts. Les réserves situées sous le plancher océanique pourraient contenir 3000 milliards de mètres cubes de gaz, faisant du Mozambique un acteur majeur du marché mondial. L'économie et la population sont en plein essor. Ensemble, le Conseil local des pêches et les défenseurs de l'environnement entendent s'assurer que le pays mise sur une stratégie de croissance durable. Les données fournies par les émetteurs, dont ont été équipées des baleines et des requins, continuent d'affluer. L'équipe scientifique sait désormais ce dont ces animaux ont besoin pour prospérer dans la région. Les récifs coralliens ont des millions d'années d'existence. Ils étaient là bien avant que l'homme n'apparaisse. Les protéger et préserver leur beauté représente un investissement crucial vers un avenir durable, non seulement pour la région, mais également pour le reste du monde et l'ensemble des êtres vivants. Si la communauté locale, aidée des scientifiques, trouve le moyen d'instaurer un équilibre entre les besoins de la nature et ceux de l'homme, peut-être parviendra-t-elle à préserver les récifs pour les générations à venir. Mon fils de 4 ans veut pouvoir plonger, surfer et profiter de la mer comme moi. J'espère pouvoir faire en sorte qu'elle reste aussi belle qu'aujourd'hui. Ce sera ce que notre génération laissera à la postérité. Le plus grand défi de l'humanité. Sauver la Terre et par là même sauver l'homme. Que parviendrons-nous à préserver et que perdrons-nous? Une chose est sûre, c'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant et partout dans le monde. Paysage tourmenté avec des montagnes, des canyons et des vallées. Des coraux tapissent une abrupte paroi verticale de 1000 mètres de haut. La remontée d'eau froide depuis les profondeurs contribue à maintenir les coraux en bonne santé et à préserver les populations de poissons. Tessa est à la recherche d'animaux situés au sommet de la chaîne alimentaire, les requins. Bien que la zone abrite des requins-marteaux et des requins-tigres, le squale le plus communément observé sur ces récifs est le requin d'Axite. Ce requin mesure environ 2 mètres de long. Il présente une fine bande blanche à l'extrémité de la nageoire dorsale, ainsi qu'un ourlet noir sur les autres nageoires. Ces squales sont des animaux très sociables, connus pour chasser en bande. Leur proie favorite, les bancs de poissons qui vivent à l'intérieur ou au voisinage des récifs coralliens. J'ai remarqué que le nombre de requins avait diminué par rapport à la première fois que je suis venu ici. Les requins sont menacés dans le monde entier. Selon les estimations des scientifiques, plus de 100 000 individus sont tués chaque jour. Au cours des dernières décennies, la surpêche a entraîné la disparition de plus de 90 % des squales de la planète. Les côtes du Mozambique abritent la dernière population de requins d'Axite au monde. Or, les populations de squales ne se rétablissent pas facilement. Le requin d'Axite ne se reproduit que tous les 2 ans. Et selon Tessa, les riches récifs de Vamizi pourraient bien être la principale pouponnière de cette espèce en Afrique de l'Est.
Ça fait plusieurs années qu'on a des bébés requins ici. C'est rare de trouver un site que les requins utilisent de cette manière. Ce genre d'aire de reproduction et de pouponnière est rare. Les bébés sont minuscules, ils sont tout petits et ils sont trop mignons. On dirait des petits têtards. Ils sont super curieux et ils ne sont pas du tout féroces. Un site comme celui-là est vital pour ces populations. Les requins et d'autres poissons se rendent quotidiennement sur les récifs pour bénéficier d'un bon nettoyage. Une armée de petits poissons et de crevettes s'affaire à les débarrasser des parasites, des peaux mortes et des bactéries qui se sont accumulées en 24 heures. En échange, les prédateurs épargnent les nettoyeurs. Pas question de chasser ni de manger le personnel. Même si les populations de requins ont fortement décliné dans la région, un groupe au moins s'est maintenu. Tessa pense qu'ils nagent et chassent en profondeur. C'est une hypothèse qu'elle espère confirmer grâce aux données des émetteurs. Plus près des côtes, David Obura examine les récifs à la recherche de signes de dégradation. Jusqu'à présent, il a identifié plus de 300 variétés de coraux poussant dans la région. Les eaux autour de l'île de Vamizi sont extrêmement riches. Pourquoi? Parce que l'énergie des courants circulaires génère beaucoup d'activité dans l'eau et augmente la productivité du phytoplancton et du plancton. Par ailleurs, ces tourbillons vont jusqu'au fond de la mer. Ils descendent le long du talus continental et soulèvent les nutriments et les sédiments des fonds marins pour les remonter à la surface, ce qui crée une grande richesse dans les eaux peu profondes. Les coraux peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Cette plateforme continentale est l'une des plus stables du monde. Elle n'a pas évolué depuis 150 millions d'années. Entre-temps, le monde a connu des changements majeurs. La disparition des dinosaures, par exemple. À l'heure actuelle, de nombreuses espèces de coraux formées dans la région indonésienne sont charriées par les courants océaniques. Et je pense qu'elles se mélangent à cette faune corallienne apparue 30 millions d'années plus tôt. Et il semble que toutes ces espèces puissent survivre dans la partie nord du canal du Mozambique. Mais la plupart des récifs coralliens n'ont pas cette chance. De nombreuses colonies de coraux sont en train de mourir à travers le monde. Tous les coraux des mers chaudes abritent des algues microscopiques appelées zooxanthelles. En échange d'un abri et d'une exposition lumineuse suffisante, les algues fournissent à leur hôte de l'oxygène, ainsi que les restes de nutriments produits n'ayant pas été consommés, dont le corail se nourrit. Soumis au stress, les coraux expulsent les algues, ce qui se traduit par une décoloration de l'animal et du récif tout entier. Les récifs peuvent se rétablir, mais beaucoup de coraux périssent. La proportion des récifs menacés augmente, tandis que celle des récifs en bonne santé diminue. C'est parce qu'ils sont soumis à de nombreux facteurs de stress. Pêche, pollution, réchauffement climatique. Ils n'ont pas le temps de récupérer d'un stress que déjà ils sont soumis au suivant. Les récifs coralliens sont de plus en plus menacés dans le monde. Ce spectacle est hélas de plus en plus fréquent. Autrefois riche et coloré, ce trésor biologique, vital pour la survie de l'homme, est devenu un désert sous-marin. Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus anciens de la Terre et sont essentiels à la stabilité de notre planète. On les appelle parfois les forêts tropicales des mers, car ils abritent des milliers d'espèces, protègent les côtes de l'érosion et ralentissent le réchauffement climatique en absorbant le dioxyde de carbone. Herbiers et mangroves contribuent également à stocker le carbone de l'atmosphère. Tout est lié. Bien qu'un récif corallien semble être constitué de roches et de plantes, il s'agit en réalité d'une structure complexe, formée de millions d'animaux minuscules appelés polypes. Les coraux durs forment une ossature de carbonate de calcium.
Lorsqu'il meurt, leur squelette reste en place et de nouveaux polypes viennent s'y fixer et se développent. Ainsi se crée petit à petit une véritable cité sous-marine. Si les récifs coralliens représentent moins d'1% des habitats marins, ils accueillent 25% de la faune des océans. Comme la raie à points bleus, ou le napoléon, des espèces classées en danger critique sur la liste rouge de l'UICN. L'anguille de jardin, ou le poisson clown d'Alar qui se dissimule dans les anémones. Posté sur le fond sableux, un mérou-loutre observe le balai des proies et des prédateurs. Non loin, un jeune rason-pan imite le mouvement d'un débris ballotté par le léger courant. Certains habitants grignotent leur propre maison. Le poisson-perroquet à bosse, une espèce rare, heurte délibérément le récif avec sa tête pour y prélever des polypes coralliens et des algues. Le corail absorbé en petits morceaux est finement broyé par ses dents avant l'ingestion des nutriments extraits. Le reste est rejeté par l'anus en un nuage de sable fin. Ce poisson peut consommer à lui seul plus de 5 tonnes de coraux par an et produire ainsi une centaine de kilos de sable. D'après les scientifiques, ces poissons fabriquent près de 70% du sable des plages tropicales. Autre curiosité de ces récifs, un géant qui répond au curieux nom de mérou patate. Avec ses 11 épines dorsales et ses plus de 100 kilos, ce poisson inoffensif, mais peu farouche, peut surprendre même les plongeurs les plus expérimentés. Taches de couleurs éclatantes dans les eaux bleues sombres, des diagrammes orientaux se mêlent aux vivano-pagaies et aux bancs de cochers grégaires. Non loin, on peut observer une rascasse, dont les épines venimeuses peuvent percer la peau et injecter des neurotoxines. Des bataillons de fusiliers néons et des centaines d'autres espèces. Enfouis au plus profond du récif se trouvent des hôtes étranges. La murène tachetée et la murène javanaise aux dents acérées. Des nudibranches colorées. Ou encore de gracieuses créatures qui présentent d'extraordinaires adaptations. Les coraux eux-mêmes offrent une variété remarquable de formes et de couleurs. Du majestueux corail corne de cerf aux acropores, qui constituent l'ossature du récif, en passant par le corail cristal, les gorgones ou le corail feuille. Mais ils présentent également une étonnante diversité chimique. Ainsi, les récifs revêtent-ils une importance majeure dans le domaine de la médecine. Ces espèces constituent un outil précieux pour la fabrication des médicaments du futur. Conscient de cet atout inestimable, le conseil local des pêches s'emploie à surveiller la réserve marine. Les pêcheurs illégaux sont interpellés et leur matériel est confisqué. Il y a peu, les tortues et leurs œufs constituaient des aliments de base pour les habitants de ces îles. À Vamizi, mon travail porte essentiellement sur les tortues marines. On a des tortues vertes qui nichent sur l'île et qu'on surveille quotidiennement depuis plus de 10 ans. Et des tortues carrées qui se nourrissent sur le récif autour de l'île et qu'on va commencer à surveiller. «
Les trois villages de Vamizi, tous situés à la pointe est de l'île, comptent au total près de 1500 habitants. Ces derniers sont surnommés « peuple de la côte » ou « peuple Mawani ». Ils ont de petits jardins, mais les cultures sont limitées, car il n'y a pas d'eau douce sur l'île. Chaque goutte d'eau est acheminée quotidiennement par bateau depuis le continent. En 2006, des pêcheurs originaires de Tanzanie et d'autres provinces du Mozambique se sont mis à exploiter les eaux poissonneuses des récifs de Vamizi. Inquiet pour les stocks de poissons, le conseil local des pêches a établi un périmètre interdit à la pêche qui s'étend sur 3 km tout autour de l'île. Les habitants s'impliquent fortement dans la protection des tortues. Elle vient d'éclore, vous voyez? Oui. C'est un bébé. Les tortues marines ont un cycle de vie étonnant. Les petites tortues nées sur la plage gagnent la mer et nagent pendant des jours pour atteindre les eaux profondes. Elles se cachent dans les herbiers et y passent quelques années jusqu'à ce qu'elles se soient développées. Puis elles se rendent dans les aires d'alimentation où elles restent quelques dizaines d'années. Il leur faut 20 à 30 ans pour atteindre la maturité sexuelle. Après quoi, elles retournent sur les plages où elles sont nées pour s'accoupler et pondre. Et le cycle recommence. Les communautés locales interviennent au stade de la ponte. Elles aident à localiser, surveiller et protéger les nids, afin que les nouveau-nés aient une chance de gagner la mer. On a commencé à travailler avec les habitants et quand ils ont vu comment les populations se développaient, ils sont devenus les plus fervents protecteurs des tortues marines. Aujourd'hui encore, ils vous diront à quel point il est important de les préserver dans la région. Ce sont eux qui les aiment le plus. Chaque année, les baleines à bosse entreprennent l'une des plus longues migrations du monde. Elles parcourent des milliers de kilomètres depuis les eaux glaciales de l'Antarctique pour gagner les baies et les lagons protégés du canal du Mozambique où elles se reproduisent et mettent bas. Mesurant en moyenne 15 mètres de longueur et pesant de 25 à 40 tonnes, ces géantes des profondeurs ont frôlé l'extinction. Dans les années 1960, des mesures internationales d'interdiction de chasse à la baleine ont été adoptées. Et depuis, leur population se redresse lentement. On peut fréquemment observer certains individus qui se laissent dériver à la surface pour se reposer. Melinda Regdal est biologiste marin et spécialiste des baleines. Au large des côtes africaines se trouve un sanctuaire naturel, un jardin d'Éden où s'épanouit une nature opulente. De riches courants équatoriaux qui ont traversé l'océan Indien viennent y rencontrer le continent africain. Porteurs de nutriments et de vie, ils contribuent au maintien de récifs coralliens parmi les plus riches de la planète. Ces écosystèmes étonnants abritent d'innombrables bancs de poissons et une myriade d'animaux de toute taille. Ils constituent un réservoir grouillant de vie. Pourtant, même dans cette région isolée, le réchauffement climatique commence à se faire sentir. Les besoins de l'homme en nourriture et en carburant pèsent lourdement aussi sur ce délicat royaume. Ce petit monde pourrait bien disparaître, mais un partenariat unique s'est mis en place dans le but de le sauvegarder.
pêcheurs locaux et défenseurs de l'environnement s'emploient ensemble à préserver et à protéger ce biotope pour les générations à venir. Et leur coopération a un impact très positif. La côte orientale de l'Afrique est réputée pour ses bancs de poissons abondants, ses belles plages, ses magnifiques récifs coralliens et la diversité de sa faune marine. Baleines, dauphins, tortues et requins. Pourtant, en de nombreux endroits, cette richesse a disparu. De la Somalie à l'Afrique du Sud, la surpêche a fait des ravages au cours des 25 dernières années. L'île de Vamizi et les récifs qui l'entourent sont devenus un refuge, un sanctuaire pour des milliers d'espèces, un lieu sauvage demeuré relativement intact. Vamizi appartient à l'archipel des Kirimbas, un chapelet d'une trentaine d'îles coralliennes qui s'étire sur près de 400 km au large des côtes septentrionales du Mozambique jusqu'à la frontière tanzanienne. Vamizi est l'une des îles les plus au nord. Mesurant 12 km de long et 2 km en son point le plus large, c'est également la plus grande île de l'archipel. Avec ses immenses plages, ses lagons bordés de mangroves et ses eaux bleues azur, ce petit bout de terre a des allures de paradis. Son relatif isolement géographique a préservé sa nature sauvage et attire des espèces uniques, comme la baleine à bosse. Ces cétacés parcourent des milliers de kilomètres depuis l'Antarctique pour mettre au monde leurs petits dans ces eaux chaudes et protégées. Ils sont rejoints par les tortues vertes qui sillonnent les côtes africaines à la recherche d'une plage pour déposer leurs œufs. Plus de 400 espèces de poissons vivent dans ces récifs tentaculaires. Le requin d'Axite, ou requin gris de récif, est l'un des nombreux hôtes de ces canyons profonds. C'est une espèce menacée. L'homme est présent au Mozambique et sur ses îles depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les marchands arabes et swahili parcouraient ces eaux en quête d'or, d'huile de palme, d'ivoire et d'esclaves. L'explorateur Vasco de Gama y a jeté l'ancre en 1498. Ouvrant le Mozambique au commerce européen et faisant de ce pays une colonie portugaise. Aujourd'hui, le Mozambique émerge tout juste de plusieurs dizaines d'années de guerre et de corruption qui ont dévasté l'économie et laissé la population exsangue. Mais la situation est en passe de changer. On a découvert au large des côtes mozambicaines l'un des plus grands gisements de gaz naturel de l'histoire récente. Il pourrait rapporter des milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. De paisibles villages se sont transformés en villes champignons. Mais des récifs coralliens florissants, comme celui de Vamizi, se trouvent en plein dans la zone de forage en haute mer. La menace est bien réelle. Des baleines. Allons-y. Une équipe internationale de scientifiques et d'écologistes s'est associée aux communautés locales pour protéger l'écosystème de Vamizi tant qu'il est encore temps. Ok, reculez. Point mort. On ne doit pas trop manipuler les œufs.
Il faut faire ça délicatement. J'ai pas réussi. Ça faisait une bonne minute que j'étais sous l'eau. J'ai commencé à nager, puis j'ai renoncé. Tu les as entendus? T'as entendu leur... J'adore. Tessa Ebson explore depuis des années les récifs de Vamizi, en apnée ou avec un scaphandre autonome. Elle les connaît bien. Cet endroit est particulièrement important pour moi. La situation en Afrique me touche au plus haut point, tout simplement parce que j'y ai grandi. Cette région doit relever des défis colossaux. Il faut nourrir la population et les récifs se détériorent rapidement. La première étape pour Tessa et son équipe est de rassembler des informations sur les grands prédateurs de cette zone géographique. Les travaux de recherche menés autour de Vamizi consistent à déterminer où vont les requins qu'on observe ici, comment ils utilisent les aires marines, et à partir de ces données, essayer d'établir un plan de conservation qui les protège de manière efficace ou leur donne toutes les chances de maintenir leur population. Tessa veut poser des émetteurs sur plusieurs requins afin de suivre leur déplacement sur les récifs. Une fois en place, ces émetteurs enverront des signaux lui indiquant où vont les squales, à quelle profondeur et pendant quel laps de temps. Les scientifiques seront ainsi à même de définir les contours d'un nouveau parc naturel marin, Neptune's Arm. Mais poser un émetteur sur un requin en mouvement est loin d'être simple. Tessa s'est donc adjoint les services d'un plongeur qui va utiliser ses compétences pour faciliter l'opération. Ma mission consiste à marquer les requins d'Axite à l'aide de fusils harpons spéciaux. On travaille en apnée avec une seule inspiration. William Winham est champion d'apnée. Comme les célèbres pêcheurs de perles japonais, il plonge sans équipement après avoir pris une bonne inspiration en surface. Il est capable de descendre à 150 mètres de profondeur et peut rester sous l'eau pendant 8 minutes. Il y a quelques années, il a décidé d'agir pour protéger les océans. Exploiter notre aptitude à l'apnée et notre capacité à traquer les animaux sous l'eau et à s'en approcher discrètement pour poser les émetteurs s'est révélée la méthode la plus efficace dans 90% des cas. Ce sont les coraux qui ont fabriqué l'île. C'est grâce à eux que la structure qui nous entoure existe. Sans eux, il n'y aurait pas d'habitat pour les poissons, ni pour les crabes, ni pour les gros poissons qui mangent les petits. L'écosystème tout entier repose sur la présence de ces coraux. Les îles Kirimbas faisaient autrefois partie intégrante d'une grande barrière de corail qui protégeait le littoral. Au fil de millions d'années, le soulèvement du continent et la baisse du niveau de la mer ont fait émerger des parties du récif, créant les îles que l'on peut observer aujourd'hui. Sous ces eaux cristallines, de fabuleux jardins de coraux se déploient sur des centaines de kilomètres. Spécialiste reconnu des récifs coralliens, David Obura est directeur du programme Cordio, consacré à l'étude des récifs d'Afrique de l'Est. Le littoral du Mozambique et de l'île de Vamizi est particulier, et on commence tout juste à mesurer ce que ça implique pour les récifs coralliens. C'est la région qui présente la plus grande diversité de tout l'ouest de l'océan Indien. Ici, au nord du canal du Mozambique, vous avez d'énormes tourbillons et courants circulaires.
Ces courants interagissent avec le littoral et créent ces îles et ces rivages extrêmement complexes. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on observe une telle abondance d'êtres vivants et une telle vitalité. Pour David Obura et d'autres chercheurs, ces récifs pourraient bien être une pouponnière à coraux, ce que le chercheur appelle un récif mère. Un récif mère est un récif source pour les récifs des environs. La semence des coraux, des poissons et des autres espèces du récif est transportée vers d'autres sites adjacents sur le littoral. Il est très probable que Vamizi en soit un. David explore plusieurs sites autour de Vamizi. Il y prélève des échantillons et identifie les différentes espèces de coraux. Ces observations permettront de mieux apprécier l'état de santé des récifs et de mesurer leur capacité à réagir face à des menaces environnementales comme le réchauffement des océans et la pollution, en particulier lors des épisodes El Niño. Certaines espèces de coraux pratiquent une ponte synchrone, un événement qui, pour David, constitue un indicateur clé. Cet épisode de frais en masse survient généralement quelques jours après la pleine lune pendant le printemps austral. 75% des coraux sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des organes sexuels mâles et femelles. Au cours de cette ponte annuelle, les polypes libèrent donc simultanément ovules et spermatozoïdes dans une explosion de vie. Les œufs fécondés deviennent de petites larves qui s'attachent à des substrats solides et forment de nouveaux coraux. La libération des gamètes attire de nombreux poissons. Ce phénomène est rare et n'a lieu qu'à certains endroits sur la planète. En fait, Vamizi est le seul récif d'Afrique où une ponte en masse a déjà été observée. Si elle se produit aujourd'hui, ce sera la preuve que ces colonies sont robustes et continuent à se développer. Une vitalité essentielle pour cette région et pour la santé des récifs coralliens du monde entier. Tessa et William se dirigent vers la partie la plus spectaculaire du récif, Neptune's Arm, à 40 minutes de bateau de Vamizi. C'est l'un des meilleurs sites de plongée au monde, mais le courant y est souvent fort. Oui, ça brasse. Là, c'est un peu plus calme, mais il y a toujours ces grandes remontées d'eau vers la surface. Il faut qu'on aille voir. Oui. Tessa et William viennent d'entrer dans l'un des écosystèmes les plus riches du globe, un monde féerique. Elle s'est rendue à Vamizi afin d'étudier l'état de santé et les migrations des baleines à bosse dans ces lagons tropicaux. La chercheuse craint que les baleines ne soient parmi les premières espèces à ressentir l'impact des forages en haute mer. Les forts bruits produits sous l'eau perturbent leur monde paisible. Les activités pétrolières et gazières génèrent beaucoup de bruit. Or, on a mis en évidence un lien plus ou moins direct entre les échouages des baleines et des sources possibles de bruit. Le bruit peut produire deux types d'effets. Il peut avoir un effet physiologique et entraîner une perte d'audition. Mais il peut aussi avoir un effet social, affecter la façon dont elles communiquent, dont elles mènent leur vie quotidienne et certaines activités essentielles à leur survie. Les voilà. Je crois que c'est une mère et son petit. 500 mètres. Allons-y doucement, ils sont très calmes. Le petit se trouve au niveau de son rostre. Doucement. La pleine lune semble annoncer l'imminence de la ponte synchronisée des coraux. Ce rituel secret se produit uniquement la nuit. Mais personne ne sait quel est l'élément déclencheur. Dix minutes après le coucher du soleil, les poissons diurnes s'éclipsent rapidement, tandis que les carnivores nocturnes sortent pour se nourrir et s'accoupler. C'est le moment où les rascasses volantes et autres poissons scorpions, les murènes et les requins prennent possession de la mer. Certains poissons changent de couleur, optant pour des teintes sombres pour mieux se camoufler. D'autres modifient radicalement leur apparence, comme ce poisson-ballon à taches noires qui, lorsqu'il est menacé, devient une boule de piquant peu engageante.
La plupart se dissimulent dans les crevasses du récif pour se reposer et éviter de se faire manger. Car les chasseurs nocturnes sont à l'affût. Certains sont dotés de grands yeux pour absorber un maximum de lumière tandis qu'ils épient leur proie. Expertes dans l'art de l'embuscade, cette rascasse se fond parfaitement dans le décor. Les requins utilisent leur odorat puissant et des électrorécepteurs ultra-sensibles placés sous la peau pour détecter leur cible. Certains font équipe afin d'attraper leur proie. Pour les coraux, la recherche de nourriture est plus simple. Il leur suffit d'étendre leurs tentacules pour collecter le plancton qui se laisse tomber vers le fond. Mais tandis que les eaux s'obscurcissent, de petites lumières s'allument peu à peu. Certains animaux se mettent à luire. Cet effet, appelé bioluminescence, est un processus chimique semblable à celui qu'on observe dans les bâtons lumineux. Cette stratégie peut avoir diverses raisons. Effrayer ou mettre en garde les prédateurs, trouver un partenaire, voire se nourrir. Ce phénomène offre un véritable feu d'artifice marin. Dès les premiers rayons de soleil, les créatures de la nuit regagnent leurs abris tandis qu'un nouveau jour commence. Tessa et William ont hâte de commencer le marquage des requins de Neptune's Arm. Les enjeux sont de taille. La présence de William Winram à nos côtés est une chance unique. Sa formidable aptitude va nous permettre d'implanter un émetteur au niveau de la nageoire dorsale de l'animal à l'aide d'un fusil harpon. Tout ça sans qu'on ait à le capturer ni à le ramener à la surface. On peut éviter tout ce stress, éviter le processus de marquage habituel qui consiste à épuiser le requin pour le ramener à la surface et le marquer. Là, il se contente de plonger, de s'approcher suffisamment près de l'animal et de le marquer. Tu peux m'aider à enlever ça? J'ai les mains mouillées. Ok. Une fois fixé sur la nageoire dorsale du requin, l'émetteur enverra des signaux qui seront captés par des récepteurs placés tout le long des récifs. Les scientifiques pourront suivre les déplacements de l'animal et mieux comprendre son comportement. C'est bon, on a tout? Ouais. Ok, prêt? 3, 2, 1, go. Le courant est fort, et les requins de l'océan Indien occidental sont de moins en moins nombreux. Aussi est-il plus difficile que jamais de les repérer et de s'en approcher. Tessa et William ont choisi de prendre leur équipement de plongée afin de maximiser leurs chances de localiser et de marquer un spécimen. Ils descendent dans le canyon de Neptune's Arm. Les squales restent souvent en profondeur au cours de la journée. Mais le requin d'Axit doit créer un courant d'eau afin d'apporter suffisamment d'oxygène à ses branchies. Il doit donc nager en permanence. William et Tessa espèrent que quelques requins affamés ou curieux remonteront un peu vers la surface.
une partie de cache-cache, les gorgones ou le corail feuille. Mais il présente également une étonnante diversité chimique. Ainsi, les récifs revêtent-ils une importance majeure dans le domaine de la médecine. Ces espèces constituent un outil précieux pour la fabrication des médicaments du futur. Conscient de cet atout inestimable, le Conseil local des pêches s'emploie à surveiller la réserve marine. Les pêcheurs illégaux sont interpellés et leur matériel est confisqué. Il y a peu, les tortues et leurs œufs constituaient des aliments de base pour les habitants de ces îles. À Vamizi, mon travail porte essentiellement sur les tortues marines. On a des tortues vertes qui nichent sur l'île et qu'on surveille quotidiennement depuis plus de 10 ans. Et des tortues carrées qui se nourrissent sur le récif autour de l'île et qu'on va commencer à surveiller. Les trois villages de Vamizi, tous situés à la pointe est de l'île, comptent au total près de 1500 habitants. Ces derniers sont surnommés « peuple de la côte » ou « peuple Mawani ». Ils ont de petits jardins, mais les cultures sont limitées, car il n'y a pas d'eau douce sur l'île. Chaque goutte d'eau est acheminée quotidiennement par bateau depuis le continent. En 2006, des pêcheurs originaires de Tanzanie et d'autres provinces du Mozambique se sont mis à exploiter les eaux poissonneuses des récifs de Vamizi. Inquiet pour les stocks de poissons, le Conseil local des pêches a établi un périmètre interdit à la pêche qui s'étend sur 3 km tout autour de l'île. Les habitants s'impliquent fortement dans la protection des tortues. Elle vient d'éclore, vous voyez? Oui. C'est un bébé. Les tortues marines ont un cycle de vie étonnant. Les petites tortues nées sur la plage gagnent la mer et nagent pendant des jours pour atteindre les eaux profondes. Elles se cachent dans les herbiers et y passent quelques années jusqu'à ce qu'elles se soient développées. Puis elles se rendent dans les aires d'alimentation où elles restent quelques dizaines d'années. Il leur faut 20 à 30 ans pour atteindre la maturité sexuelle. Après quoi, elles retournent sur les plages où elles sont nées pour s'accoupler et pondre. Et le cycle recommence. Les communautés locales interviennent au stade de la ponte. Elles aident à localiser, surveiller et protéger les nids, afin que les nouveau-nés aient une chance de gagner la mer. On a commencé à travailler avec les habitants et quand ils ont vu comment les populations se développaient, ils sont devenus les plus fervents protecteurs des tortues marines. Aujourd'hui encore, ils vous diront à quel point il est important de les préserver dans la région. Ce sont eux qui les... La chercheuse craint que les baleines ne soient parmi les premières espèces à ressentir l'impact des forages en haute mer. Les forts bruits produits sous l'eau perturbent leur monde paisible. Les activités pétrolières et gazières génèrent beaucoup de bruit. Or, on a mis en évidence un lien plus ou moins direct entre les échouages des baleines et des sources possibles de bruit. Le bruit peut produire deux types d'effets. Il peut avoir un effet physiologique et entraîner une perte d'audition. Mais il peut aussi avoir un effet social, affecter la façon dont elles communiquent, dont elles mènent leur vie quotidienne et certaines activités essentielles à leur survie. Les voilà. Je crois que c'est une mère et son petit. 500 mètres. Allons-y doucement. Ils sont très calmes. Le petit se trouve au niveau de son rostre. Doucement. La pleine lune semble annoncer l'imminence de la ponte synchronisée des coraux. Ce rituel secret se produit uniquement la nuit. Mais personne ne sait quel est l'élément déclencheur. Dix minutes après le coucher du soleil, les poissons diurnes s'éclipsent rapidement, tandis que les carnivores nocturnes sortent pour se nourrir et s'accoupler. C'est le moment où les rascasses volantes et autres poissons scorpions, les murènes et les requins prennent possession de la mer. Certains poissons changent de couleur, optant pour des teintes sombres pour mieux se camoufler. D'autres modifient radicalement leur apparence, comme ce poisson-ballon à taches noires qui, lorsqu'il est menacé, devient une boule de piquant peu engageante.
La plupart se dissimulent dans les crevasses du récif pour se reposer et éviter de se faire manger. Car les chasseurs nocturnes sont à l'affût. Certains sont dotés de grands yeux pour absorber un maximum de lumière tandis qu'ils épient leur proie. Expertes dans l'art de l'embuscade, cette rascasse se fond parfaitement dans le décor. Les requins utilisent leur odorat puissant et des électrorécepteurs ultra-sensibles placés sous la peau pour détecter leur cible. Certains font équipe afin d'attraper leur proie. À leur survie. Les voilà. Je crois que c'est une mère et son petit. 500 mètres. Allons-y doucement. Ils sont très calmes. Le petit se trouve au niveau de son rostre. Doucement. La pleine lune semble annoncer l'imminence de la ponte synchronisée des coraux. Ce rituel secret se produit uniquement la nuit. Mais personne ne sait quel est l'élément déclencheur. Dix minutes après le coucher du soleil, les poissons diurnes s'éclipsent rapidement, tandis que les carnivores nocturnes sortent pour se nourrir et s'accoupler. C'est le moment où les rascasses volantes et autres poissons scorpions, les murènes et les requins prennent possession de la mer. Certains poissons changent de couleur, optant pour des teintes sombres pour mieux se camoufler. D'autres modifient radicalement leur apparence, comme ce poisson-ballon à taches noires qui, lorsqu'il est menacé, devient une boule de piquant peu engageante. La plupart se dissimulent dans les crevasses du récif pour se reposer et éviter de se faire manger. Car les chasseurs nocturnes sont à l'affût. Certains sont dotés de grands yeux pour absorber un maximum de lumière tandis qu'ils épient leur proie. Expertes dans l'art de l'embuscade, cette rascasse se fond parfaitement dans le décor. Les requins utilisent leur odorat puissant et des électrorécepteurs ultra-sensibles placés sous la peau pour détecter leur cible. Certains font équipe afin d'attraper leur proie. Pour les coraux, la recherche de nourriture est plus simple. Il leur suffit d'étendre leurs tentacules pour collecter le plancton qui se laisse tomber vers le fond. Mais tandis que les eaux s'obscurcissent, de petites lumières s'allument peu à peu. Certains animaux se mettent à luire. Cet effet, appelé bioluminescence, est un processus chimique semblable à celui qu'on observe dans les bâtons lumineux. Si la communauté locale, aidée des scientifiques, trouve le moyen d'instaurer un équilibre entre les besoins de la nature et ceux de l'homme, peut-être parviendra-t-elle à préserver les récifs pour les générations à venir. Mon fils de 4 ans veut pouvoir plonger, surfer et profiter de la mer comme moi. J'espère pouvoir faire en sorte qu'elle reste aussi belle qu'aujourd'hui. Ce sera ce que notre génération laissera à la postérité. Le plus grand défi de l'humanité, sauver la Terre et par là même sauver l'homme. Que parviendrons-nous à préserver et que perdrons-nous? Une chose est sûre, c'est maintenant qu'il faut agir.
maintenant et partout dans le monde. Paysage tourmenté avec des montagnes, des canyons et des vallées. Des coraux tapissent une abrupte paroi verticale de 1000 mètres de haut. La remontée d'eau froide depuis les profondeurs contribue à maintenir les coraux en bonne santé et à préserver les populations de poissons. Tessa est à la recherche d'animaux situés au sommet de la chaîne alimentaire, les requins. Bien que la zone abrite des requins-marteaux et des requins-tigres, le squale le plus communément observé sur ces récifs est le requin d'Axite. Ce requin mesure environ 2 mètres de long. Il présente une fine bande blanche à l'extrémité de la nageoire dorsale, ainsi qu'un ourlet noir sur les autres nageoires. Ces squales sont des animaux très sociables, connus pour chasser en bande. Leur proie favorite, les bancs de poissons qui vivent à l'intérieur ou au voisinage des récifs coralliens. Le requin d'Axite, ou requin gris de récif, est l'un des nombreux hôtes de ces canyons profonds. C'est une espèce menacée. L'homme est présent au Mozambique et sur ses îles depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les marchands arabes et swahili parcouraient ces eaux en quête d'or, d'huile de palme, d'ivoire et d'esclaves. L'explorateur Vasco de Gama y a jeté l'ancre en 1498, ouvrant le Mozambique au commerce européen et faisant de ce pays une colonie portugaise. Aujourd'hui, le Mozambique émerge tout juste de plusieurs dizaines d'années de guerre et de corruption qui ont dévasté l'économie et laissé la population exsangue. Mais la situation est en passe de changer. On a découvert au large des côtes mozambicaines l'un des plus grands gisements de gaz naturel de l'histoire récente. Il pourrait rapporter des milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. De paisibles villages se sont transformés en villes champignons. Mais des récifs coralliens florissants, comme celui de Vamizi, se trouvent en plein dans la zone de forage en haute mer. La menace est bien réelle. Des baleines. Allons-y. Une équipe internationale de scientifiques et d'écologistes s'est associée aux communautés locales pour protéger l'écosystème de Vamizi tant qu'il est encore temps. Ok, reculez. Point mort, point mort. On ne doit pas trop manipuler les œufs. Il faut faire ça délicatement. J'ai pas réussi. Ça faisait une bonne minute que j'étais sous l'eau. J'ai commencé à nager, puis j'ai renoncé. Tu les as entendus? T'as entendu leur... J'adore. Tessa Ebson explore depuis des années les récifs de Vamizi, en apnée ou avec un scaphandre autonome. Elle les connaît bien. Cet endroit est particulièrement important pour moi. La situation en Afrique me touche au plus haut point, tout simplement parce que j'y ai grandi. Cette région doit relever des défis colossaux. Il faut nourrir la population et les récifs se détériorent rapidement.
La première étape pour Tessa et son équipe est de maximum de lumière tandis qu'ils épient leur proie. Expertes dans l'art de l'embuscade, cette rascasse se fond parfaitement dans le décor. Les requins utilisent leur odorat puissant et des électrorécepteurs ultra-sensibles placés sous la peau pour détecter leur cible. Certains font équipe afin d'attraper leur proie. Pour les coraux, la recherche de nourriture est plus simple. Il leur suffit d'étendre leurs tentacules pour collecter le plancton qui se laisse tomber vers le fond. Mais tandis que les eaux s'obscurcissent, de petites lumières s'allument peu à peu. Certains animaux se mettent à luire. Cet effet, appelé bioluminescence, est un processus chimique semblable à celui qu'on observe dans les bâtons lumineux. Cette stratégie peut avoir diverses raisons. Effrayer ou mettre en garde les prédateurs, trouver un partenaire, voire se nourrir. Ce phénomène offre un véritable feu d'artifice marin. Dès les premiers rayons de soleil, les créatures de la nuit regagnent leurs abris tandis qu'un nouveau jour commence. Tessa et William ont hâte de commencer le marquage des requins de Neptune's Arm. Les enjeux sont de taille. La présence de William Winram à nos côtés est une chance unique. Sa formidable aptitude va nous permettre d'implanter un émetteur au niveau de la nageoire dorsale de l'animal à l'aide d'un fusil harpon. Tout ça sans qu'on ait à le capturer ni à le ramener à la surface. On peut éviter tout ce stress, éviter le processus de marquage habituel aux poissons qui mangent les petits. L'écosystème tout entier repose sur la présence de ces coraux. Les îles Kirimbas faisaient autrefois partie intégrante d'une grande barrière de corail qui protégeait le littoral. Au fil de millions d'années, le soulèvement du continent et la baisse du niveau de la mer ont fait émerger des parties du récif, créant les îles que l'on peut observer aujourd'hui. Sous ces eaux cristallines, de fabuleux jardins de coraux se déploient sur des centaines de kilomètres. Spécialiste reconnu des récifs coralliens, David Ogura est directeur du programme Cordio, consacré à l'étude des récifs d'Afrique de l'Est. Le littoral du Mozambique et de l'île de Vamizi est particulier, et on commence tout juste à mesurer ce que ça implique pour les récifs coralliens. C'est la région qui présente la plus grande diversité de tout l'ouest de l'océan Indien. Ici, au nord du canal du Mozambique, vous avez d'énormes tourbillons et courants circulaires. Ces courants interagissent avec le littoral et créent ces îles et ces rivages extrêmement complexes. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on observe une telle abondance d'êtres vivants et une telle vitalité. Pour David Ogura et d'autres chercheurs, ces récifs pourraient bien être une pouponnière à coraux, ce que le chercheur appelle un récif mère. Un récif mère est un récif source pour les récifs des environs. La semence des coraux, des poissons et des autres espèces du récif est transportée vers d'autres sites adjacents sur le littoral.
Il est très probable que Vamizi en soit un. David explore plusieurs sites autour de Vamizi. Il y prélève des échantillons et identifie les différentes espèces de coraux. Ces observations permettront de mieux apprécier l'état de santé des récifs et de mesurer leur capacité à réagir face à des menaces environnementales comme le réchauffement des océans et la pollution, en particulier lors des épisodes El Niño. Certaines espèces de coraux pratiquent une ponte synchrone, un événement qui pour David constitue un indicateur clé. Cet épisode de frais en masse survient généralement quelques jours après la pleine lune pendant le printemps austral. 75% des coraux sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des organes sexuels mâles et femelles. Au cours de cette ponte annuelle, les polypes libèrent donc simultanément... deux fusils à arpents spéciaux. On travaille en apnée, avec une seule inspiration. William Winram est champion d'apnée. Comme les célèbres pêcheurs de perles japonais, il plonge sans équipement après avoir pris une bonne inspiration en surface. Il est capable de descendre à 150 mètres de profondeur et peut rester sous l'eau pendant 8 minutes. Il y a quelques années, il a décidé d'agir pour protéger les océans. Exploiter notre aptitude à l'apnée et notre capacité à traquer les animaux sous l'eau et à s'en approcher discrètement pour poser les émetteurs s'est révélée la méthode la plus efficace dans 90% des cas. Ce sont les coraux qui ont fabriqué l'île. C'est grâce à eux que la structure qui nous entoure existe. Sans eux, il n'y aurait pas d'habitat pour les poissons, ni pour les crabes, ni pour les gros poissons qui mangent les petits. L'écosystème tout entier repose sur la présence de ces coraux. Les îles Kirimbas faisaient autrefois partie intégrante d'une grande barrière de corail qui protégeait le littoral. Au fil de millions d'années, le soulèvement du continent et la baisse du niveau de la mer ont fait émerger des parties du récif, créant les îles que l'on peut observer aujourd'hui. Sous ces eaux cristallines, de fabuleux jardins de coraux se déploient sur des centaines de kilomètres. Spécialiste reconnu des récifs coralliens, David Obura est directeur du programme Cordio, consacré à l'étude des récifs d'Afrique de l'Est. Le littoral du Mozambique et de l'île de Vamizi est particulier, et on commence tout juste à mesurer ce que ça implique pour les récifs coralliens. C'est la région qui présente la plus grande diversité de tout l'ouest de l'océan Indien. Ici, au nord du canal du Mozambique, vous avez d'énormes tourbillons et courants circulaires. Ces courants interagissent avec le littoral et créent ces îles et ces rivages extrêmement complexes. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on observe une telle abondance d'êtres vivants et une telle vitalité. Pour David Obura et d'autres chercheurs, ces récifs pourraient bien être... Si la communauté locale, aidée des scientifiques, trouve le moyen d'instaurer un équilibre entre les besoins de la nature et ceux de l'homme, peut-être parviendra-t-elle à préserver les récifs pour les générations à venir. Mon fils de 4 ans veut pouvoir plonger, surfer et profiter de la mer comme moi. J'espère pouvoir faire en sorte qu'elle reste aussi belle qu'aujourd'hui. Ce sera ce que notre génération laissera à la postérité. Le plus grand défi de l'humanité, sauver la Terre et par là même sauver l'homme. Que parviendrons-nous à préserver et que perdrons-nous ?
Une chose est sûre, c'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, et partout dans le monde. Paysage tourmenté avec des montagnes, des canyons et des vallées. Des coraux tapissent une abrupte paroi verticale de 1000 mètres de haut. La remontée d'eau froide depuis les profondeurs contribue à maintenir les coraux en bonne santé et à préserver les populations de poissons. Tessa est à la recherche d'animaux situés au sommet de la chaîne alimentaire, les requins. Bien que la zone abrite des requins-marteaux et des requins-tigres, le squale le plus communément observé sur ces récifs est le requin d'Axite. Ce requin mesure environ 2 mètres de long. Il présente une fine bande blanche à l'extrémité de la nageoire dorsale, ainsi qu'un ourlet noir sur les autres nageoires. Ces squales sont des animaux très sociables, connus pour chasser en bande. Leur proie favorite, les bancs de poissons qui vivent à l'intérieur ou au voisinage des récifs coralliens. Vieux, ils ne sont pas du tout féroces. Un site comme celui-là est vital pour ces populations. Les requins et d'autres poissons se rendent quotidiennement sur les récifs pour bénéficier d'un bon nettoyage. Une armée de petits poissons et de crevettes s'affaire à les débarrasser des parasites, des peaux mortes et des bactéries qui se sont accumulées en 24 heures. En échange, les prédateurs épargnent les nettoyeurs. Pas question de chasser ni de manger le personnel. Même si les populations de requins ont fortement décliné dans la région, un groupe au moins s'est maintenu. Tessa pense qu'ils nagent et chassent en profondeur. C'est une hypothèse qu'elle espère confirmer grâce aux données des émetteurs. Plus près des côtes, David Obura examine les récifs à la recherche de signes de dégradation. Jusqu'à présent, il a identifié plus de 300 variétés de coraux poussant dans la région. Les eaux autour de l'île de Vamizi sont extrêmement riches. Pourquoi? Parce que l'énergie des courants circulaires génère beaucoup d'activité dans l'eau et augmente la productivité du phytoplancton et du plancton. Par ailleurs, ces tourbillons vont jusqu'au fond de la mer. Ils descendent le long du talus continental et soulèvent les nutriments et les sédiments des fonds marins pour les remonter à la surface, ce qui crée une grande richesse dans les eaux peu profondes. Les coraux peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Cette plateforme continentale est l'une des plus stables du monde. Elle n'a pas évolué depuis 150 millions d'années. Entre-temps, le monde a connu des changements majeurs. La disparition des dinosaures, par exemple. À l'heure actuelle, de nombreuses espèces de coraux formées dans la région indonésienne sont charriées par les courants océaniques. Et je pense qu'elles se mélangent à cette faune corallienne apparue 30 millions d'années plus tôt. Et il semble que toutes ces espèces puissent survivre dans la partie nord du canal du Mozambique. Mais la plupart des récifs coralliens n'ont pas cette chance. De nombreuses colonies de coraux sont en train de mourir à travers le monde. Tous les coraux des mers chaudes abritent des algues microscopiques appelées zooxanthelles. En échange d'un abri et d'une exposition lumineuse suffisante, les algues fournissent à leur hôte de l'oxygène, ainsi que les restes de nutriments produits n'ayant pas été consommés, dont le corail se nourrit. Soumis au stress, les coraux expulsent les algues, ce qui se traduit par une décoloration de l'animal et du récif tout entier.
Les récifs peuvent se rétablir, mais beaucoup de coraux périssent. Ces écosystèmes étonnants abritent d'innombrables bancs de poissons et une myriade d'animaux de toute taille. Ils constituent un réservoir grouillant de vie. Pourtant, même dans cette région isolée, le réchauffement climatique commence à se faire sentir. Les besoins de l'homme en nourriture et en carburant pèsent lourdement aussi sur ce délicat royaume. Ce petit monde pourrait bien disparaître, mais un partenariat unique s'est mis en place dans le but de le sauvegarder. Pêcheurs locaux et défenseurs de l'environnement s'emploient ensemble à préserver et à protéger ce biotope pour les générations à venir. Et leur coopération a un impact très positif. La côte orientale de l'Afrique est réputée pour ses bancs de poissons abondants, ses belles plages, ses magnifiques récifs coralliens et la diversité de sa faune marine. Baleines, dauphins, tortues et requins. Pourtant, en de nombreux endroits, cette richesse a disparu. De la Somalie à l'Afrique du Sud, la surpêche a fait des ravages au cours des 25 dernières années. L'île de Vamizi et les récifs qui l'entourent sont devenus un refuge, un sanctuaire pour des milliers d'espèces, un lieu sauvage demeuré relativement intact. Vamizi appartient à l'archipel des Kirimbas, un chapelet d'une trentaine d'îles coralliennes qui s'étire sur près de 400 km au large des côtes septentrionales du Mozambique jusqu'à la frontière tanzanienne. Vamizi est l'une des îles les plus au nord. Mesurant 12 km de long et 2 km en son point le plus large, c'est également la plus grande île de la... Et à s'en approcher discrètement pour poser les émetteurs, s'est révélée la méthode la plus efficace dans 90% des cas. Ce sont les coraux qui ont fabriqué l'île. C'est grâce à eux que la structure qui nous entoure existe. Sans eux, il n'y aurait pas d'habitat pour les poissons, ni pour les crabes, ni pour les gros poissons qui mangent les petits. L'écosystème tout entier repose sur la présence de ces coraux. Les îles Kirimbas faisaient autrefois partie intégrante d'une grande barrière de corail qui protégeait le littoral. Au fil de millions d'années, le soulèvement du continent et la baisse du niveau de la mer ont fait émerger des parties du récif, créant les îles que l'on peut observer aujourd'hui. Sous ces eaux cristallines, de fabuleux jardins de coraux se déploient sur des centaines de kilomètres. Spécialiste reconnu des récifs coralliens, David Obura est directeur du programme Cordio, consacré à l'étude des récifs d'Afrique de l'Est. Le littoral du Mozambique et de l'île de Vamizi est particulier, et on commence tout juste à mesurer ce que ça implique pour les récifs coralliens. C'est la région qui présente la plus grande diversité de tout l'ouest de l'océan Indien. Ici, au nord du canal du Mozambique, vous avez d'énormes tourbillons et courants circulaires.
Ces courants interagissent avec le littoral et créent ces îles et ces rivages extrêmement complexes. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on observe une telle abondance d'êtres vivants et une telle vitalité. Pour David Obura et d'autres chercheurs, ces récifs pourraient bien être une pouponnière à coraux, ce que le chercheur appelle un récif mère. Un récif mère est un récif source pour les récifs des environs. La semence des coraux, des poissons et des autres espèces du récif est transportée vers d'autres sites adjacents sur le littoral. Il est très probable que Vamizi en soit un. David explore plusieurs sites autour de Vamizi. Il y prélève des échantillons et identifie les différentes espèces de coraux. Ces observations permettront de mieux apprécier l'état de santé des récifs et de mesurer leur capacité à réagir face à des menaces environnementales comme le réchauffement des océans et la pollution, en particulier lors des épisodes El Niño. Certains poissons changent de couleur, optant pour des teintes sombres pour mieux se camoufler. D'autres modifient radicalement leur apparence, comme ce poisson-ballon à taches noires qui, lorsqu'il est menacé, devient une boule de piquant peu engageante. La plupart se dissimulent dans les crevasses du récif pour se reposer et éviter de se faire manger. Car les chasseurs nocturnes sont à l'affût. Certains sont dotés de grands yeux pour absorber un maximum de lumière tandis qu'ils épient leur proie. Expertes dans l'art de l'embuscade, ces rascasses se font parfaitement dans le décor. Les requins utilisent leur odorat puissant et des électrorécepteurs ultra-sensibles placés sous la peau pour détecter leur cible. Certains font équipe afin d'attraper leur proie. Pour les coraux, la recherche de nourriture est plus simple. Il leur suffit d'étendre leurs tentacules pour collecter le plancton qui se laisse tomber vers le fond. Mais tandis que les eaux s'obscurcissent, de petites lumières s'allument peu à peu. Certains animaux se mettent à luire. Cet effet, appelé bioluminescence, est un processus chimique semblable à celui qu'on observe dans les bâtons lumineux. Cette stratégie peut avoir diverses raisons. Effrayer ou mettre en garde les prédateurs, trouver un partenaire, voire se nourrir. Ce phénomène offre un véritable feu d'artifice marin. Dès les premiers rayons de soleil, les créatures de la nuit regagnent leurs abris tandis qu'un nouveau jour commence. Tessa et William ont hâte de commencer le marquage des requins de Neptune's Arm. J'ai remarqué que le nombre de requins avait diminué par rapport à la première fois que je suis venue ici. Les requins sont menacés dans le monde entier. Selon les estimations des scientifiques, plus de 100 000 individus sont tués chaque jour. Au cours des dernières décennies, la surpêche a entraîné la disparition de plus de 90% des squales de la planète. Les côtes du Mozambique abritent la dernière population de requins d'Axide au monde. Or, les populations de squales ne se rétablissent pas facilement. Le requin d'Axide ne se reproduit que tous les deux ans. Et selon Tessa,
les riches récifs de Vamizi pourraient bien être la principale pouponnière de cette espèce en Afrique de l'Est. Ça fait plusieurs années qu'on a des bébés requins ici. C'est rare de trouver un site que les requins utilisent de cette manière. Ce genre d'aire de reproduction et de pouponnière est rare. Les bébés sont minuscules, ils sont tout petits et ils sont trop mignons. On dirait des petits têtards. Ils sont super curieux et ils ne sont pas du tout féroces. Un site comme celui-là est vital pour ces populations. Les requins et d'autres poissons se rendent quotidiennement sur les récifs pour bénéficier d'un bon nettoyage. Une armée de petits poissons et de crevettes s'affaire à les débarrasser des parasites, des peaux mortes et des bactéries qui se sont accumulées en 24 heures. En échange, les prédateurs épargnent les nettoyeurs. Pas question de chasser ni de manger le personnel. Même si les populations de requins ont fortement décliné dans la région, un groupe au moins s'est maintenu. Tessa pense qu'ils nagent et chassent en profondeur. C'est une hypothèse qu'elle espère confirmer grâce aux données des émetteurs. Plus près des côtes, David Obura examine les récifs à la recherche de signes de dégradation. Jusqu'à présent, il a identifié plus de 300 variétés de coraux poussant dans la région. Les eaux autour de l'île de Vamizi sont extrêmement riches. Pourquoi? Parce que l'énergie des courants circulaires génère beaucoup d'activité dans l'eau et augmente la productivité du phytoplancton et du plancton. Par ailleurs, ces tourbillons vont jusqu'au fond de la mer. Ils descendent le long du talus continental et soulèvent les nutriments et les sédiments des fonds marins pour les remonter à la surface, ce qui crée une grande richesse dans les eaux peu profondes. Les îles Kirimbas faisaient autrefois partie intégrante d'une grande barrière de corail qui protégeait le littoral. Au fil de millions d'années, le soulèvement du continent et la baisse du niveau de la mer ont fait émerger des parties du récif, créant les îles que l'on peut observer aujourd'hui. Sous ces eaux cristallines, de fabuleux jardins de coraux se déploient sur des centaines de kilomètres. Spécialiste reconnu des récifs coralliens, David Obura est directeur du programme Cordio, consacré à l'étude des récifs d'Afrique de l'Est. Le littoral du Mozambique et de l'île de Vamizi est particulier, et on commence tout juste à mesurer ce que ça implique pour les récifs coralliens. C'est la région qui présente la plus grande diversité de tout l'ouest de l'océan Indien. Ici, au nord du canal du Mozambique, vous avez d'énormes tourbillons et courants circulaires. Ces courants interagissent avec le littoral et créent ces îles et ces rivages extrêmement complexes. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on observe une telle abondance d'êtres vivants et une telle vitalité. Pour David Obura et d'autres chercheurs, ces récifs pourraient bien être une pouponnière à coraux, ce que le chercheur appelle un récif mère. Un récif mère est un récif source pour les récifs des environs. La semence des coraux, des poissons et des autres espèces du récif est transportée vers d'autres sites adjacents sur le littoral. Il est très probable que Vamizi en soit un. David explore plusieurs sites autour de Vamizi. Il y prélève des échantillons et identifie les différentes espèces de coraux. Ces observations permettront de mieux apprécier l'état de santé des récifs et de mesurer leur capacité à réagir face à des menaces environnementales comme le réchauffement des océans et la pollution, en particulier lors des épisodes El Niño. Certaines espèces de coraux pratiquent une ponte synchrone, un événement qui pour David constitue un indicateur clé. Cet épisode de frais en masse survient généralement quelques jours après la pleine lune pendant le printemps austral.
75% des coraux sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des organes sexuels mâles et femelles. Au cours de cette ponte annuelle, les polypes libèrent donc simultanément ovules et spermatozoïdes dans une explosion de vie. Les œufs fécondés deviennent de petites larves gagnées la mer. On a commencé à travailler avec les habitants, et quand ils ont vu comment les populations se développaient, ils sont devenus les plus fervents protecteurs des tortues marines. Aujourd'hui encore, ils vous diront à quel point il est important de les préserver dans la région. Ce sont eux qui les aiment le plus. Chaque année, les baleines à bosse entreprennent l'une des plus longues migrations du monde. Elles parcourent des milliers de kilomètres depuis les eaux glaciales de l'Antarctique pour gagner les baies et les lagons protégés du canal du Mozambique où elles se reproduisent et mettent bas. Mesurant en moyenne 15 mètres de longueur et pesant de 25 à 40 tonnes, ces géantes des profondeurs ont frôlé l'extinction. Dans les années 1960, des mesures internationales d'interdiction de chasse à la baleine ont été adoptées. Et depuis, leur population se redresse lentement. On peut fréquemment observer certains individus qui se laissent dériver à la surface pour se reposer. Melinda Regdal est biologiste marin et spécialiste des baleines. Au large des côtes africaines se trouve un sanctuaire naturel, un jardin d'Éden où s'épanouit une nature opulente. De riches courants équatoriaux qui ont traversé l'océan Indien viennent y rencontrer le continent africain. Porteurs de nutriments et de vie, ils contribuent au maintien de récifs coralliens parmi les plus riches de la planète. Ces écosystèmes étonnants abritent d'innombrables bancs de poissons et une myriade d'animaux de toute taille. Ils constituent un réservoir grouillant de vie. Pourtant, même dans cette région isolée, le réchauffement climatique ne se reproduit que tous les deux ans. Et selon Tessa, les riches récifs de Vamizi pourraient bien être la principale pouponnière de cette espèce en Afrique de l'Est. Ça fait plusieurs années qu'on a des bébés requins ici. C'est rare de trouver un site que les requins utilisent de cette manière. Ce genre d'aire de reproduction et de pouponnière est rare. Les bébés sont minuscules, ils sont tout petits et ils sont trop mignons. On dirait des petits têtards. Ils sont super curieux et ils ne sont pas du tout féroces. Un site comme celui-là est vital pour ces populations. Les requins et d'autres poissons se rendent quotidiennement sur les récifs pour bénéficier d'un bon nettoyage. Une armée de petits poissons et de crevettes s'affaire à les débarrasser des parasites, des peaux mortes et des bactéries qui se sont accumulées en 24 heures. En échange, les prédateurs épargnent les nettoyeurs. Pas question de chasser ni de manger le personnel. Même si les populations de requins ont fortement décliné dans la région, un groupe au moins s'est maintenu. Tessa pense qu'ils nagent et chassent en profondeur. C'est une hypothèse qu'elle espère confirmer grâce aux données des émetteurs. Plus près des côtes, David Obura examine les récifs à la recherche de signes de dégradation. Jusqu'à présent, il a identifié plus de 300 variétés de coraux poussant dans la région.
Les eaux autour de l'île de Vamizi sont extrêmement riches. Pourquoi? Parce que l'énergie des courants circulaires génère beaucoup d'activité dans l'eau et augmente la productivité du phytoplancton et du plancton. Par ailleurs, ces tourbillons vont jusqu'au fond de la mer. Ils descendent le long du talus continental et soulèvent les nutriments et les sédiments des fonds marins pour les remonter à la surface, ce qui crée une grande richesse dans les eaux peu profondes. Les coraux peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Cette plateforme continentale est l'une des plus stables du monde. Elle n'a pas évolué depuis 150 millions d'années. Entre-temps, le monde a connu des changements majeurs, la disparition des dinosaures, par exemple. À l'heure actuelle, de nombreuses espèces de coraux formées dans la région indonésienne sont charriées par les courants océaniques, et je pense qu'elles se mélangent à cette faune corallienne apparue 30 millions d'années plus tôt. Et il semble que toutes ces espèces puissent survivre dans la partie nord du canal du Mozambique. Mais la plupart des récifs coralliens n'ont pas cette chance. De nombreuses colonies de coraux sont en train de mourir. J'ai remarqué que le nombre de requins avait diminué par rapport à la première fois que je suis venu ici. Les requins sont menacés dans le monde entier. Selon les estimations des scientifiques, plus de 100 000 individus sont tués chaque jour. Au cours des dernières décennies, la surpêche a entraîné la disparition de plus de 90 % des squales de la planète. Les côtes du Mozambique abritent la dernière population de requins d'Axide au monde. Or, les populations de squales ne se rétablissent pas facilement. Le requin d'Axide ne se reproduit que tous les deux ans. Et selon Tessa, les riches récifs de Vamizi pourraient bien être la principale pouponnière de cette espèce en Afrique de l'Est. Ça fait plusieurs années qu'on a des bébés requins ici. C'est rare de trouver un site que les requins utilisent de cette manière. Ce genre d'aire de reproduction et de pouponnière est rare. Les bébés sont minuscules, ils sont tout petits et ils sont trop mignons. On dirait des petits têtards. Ils sont super curieux et ils ne sont pas du tout féroces. Un site comme celui-là est vital pour ces populations. Les requins et d'autres poissons se rendent quotidiennement sur les récifs pour bénéficier d'un bon nettoyage. Une armée de petits poissons et de crevettes s'affaire à les débarrasser des parasites, des peaux mortes et des bactéries qui se sont accumulées en 24 heures. En échange, les prédateurs épargnent les nettoyeurs. Pas question de chasser ni de manger le personnel. Même si les populations de requins ont fortement décliné dans la région, un groupe au moins s'est maintenu. Tessa pense qu'ils nagent et chassent en profondeur. C'est une hypothèse qu'elle espère confirmer grâce aux données des émetteurs. Plus près des côtes, David Obura examine les récifs à la recherche de signes de dégradation. Jusqu'à présent, il a identifié plus de 300 variétés de coraux poussant dans la région. Les eaux autour de l'île de Vamizi sont extrêmement riches. Pourquoi? Parce que l'énergie des courants circulaires génère beaucoup d'activité dans l'eau et augmente la productivité du phytoplancton et du plancton. Par ailleurs, ces tourbillons vont jusqu'au fond de la mer. Ils descendent le long du talus continental et soulèvent les nutriments et les sédiments des fonds marins pour les remonter à la surface, ce qui crée une grande richesse dans les eaux peu profondes.